Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cinéma de David. Donc aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée aux trésors cachés du cinéma, c'est-à-dire à ces films connus des spécialistes du cinéma de genre mais pas forcément connus du grand public. Donc ça sera des petites vidéos plutôt courtes, voilà, je vous en dirai pas trop pour vous réserver la surprise de la découverte de ces films. J'espère bien sûr que je vous donnerai envie de les découvrir, parce qu'ils ont tous été pour moi voilà, des vrais coups de cœur. Donc on commence aujourd'hui avec le film Les Révoltés de l'an 2000. C'est un film de Narciso Ibáñez Serrador, désolé pour l'accent. Donc c'est un film hispano-britannique qui date de 1976. Alors de quoi ça parle Les Révoltés de l'an 2000? Eh bien on y suit les aventures d'un couple de touristes anglais qui partent visiter une île. Alors on ne sait pas trop où l'action se situe, mais ça semble être probablement en Espagne. Donc arrivés sur cette île, ils vont en fait rapidement se rendre compte, que tous les adultes ont été supprimés par les enfants. Et que ces derniers, en fait, ils ont réellement pris le pouvoir sur cette île. Donc on va les suivre dans leur course folle pour fuir cette meute d'enfants meurtriers, essayer de contacter du secours et éventuellement et bien chercher d'autres adultes qui auraient survécu à ce carnage. Alors c'est un film qui, au-delà de ces scènes choc, et il y en a beaucoup, il nous questionne, nous en tant qu'adultes, et cela en fait dès le générique de début du film. En fait, le générique de début du film, il nous montre des images réelles de guerre, de famine, etc. On voit des enfants souffrir de ces situations. Donc des situations en fait causées par la responsabilité des adultes. Donc le film nous propose en fait une inversion des rôles. Pour faire court, en fait, cette fois, si vous voulez, c'est les enfants qui ont le pouvoir et c'est les adultes qui morflent. C'est comme une sorte de punition divine, si vous voulez. Donc la violence du film, elle est jamais gratuite en fait. Elle est là pour nous faire réfléchir et tendre un miroir à la société d'une certaine façon. Donc je ne préfère pas vous en dire plus, comme je vous le disais, pour vous réserver la surprise de la découverte. C'est un film qui est facilement trouvable en DVD ou même en VOD. En tout cas, c'est un film dont le jusqu'au boutisme ne vous laissera pas indemne, je pense. Et servi par de très bons acteurs, même les enfants sont excellents dans leur rôle. Voilà, donc c'était une première vidéo donc des trésors cachés du cinéma. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce film, donc Les Révoltés de l'an 2000 de Narciso Ibáñez Serrador, un film super que je vous conseille. Voilà, au revoir, à bientôt.